Eh bien bonjour Canal Gym. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance d'abdominaux. On va faire 10 minutes d'abdominaux en 50 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Donc les exercices, je te les montre au fur et à mesure. Rien de bien compliqué, tu te laisses aller. J'espère que cette séance, elle va te plaire et on se retrouve juste après l'intro pour commencer. Allez, je vais te montrer le premier exercice parce que on l'a jamais fait celui-là. Donc tu vas te mettre sur le dos, les mains le long de ton corps. On va faire une chandelle et en même temps on va faire un cercle. Tu vas reposer les fesses. Chandelle, un cercle. Le but, c'est d'aller chercher le plafond, pas vers toi. Ça marche? Donc, on monte vers le plafond, on fait un cercle, on pose les jambes. On monte vers le plafond, on fait un cercle et on pose les jambes. OK? Et après, je te montre au fur et à mesure la suite des exercices. 10 secondes pour te placer. Serre tes abdominaux. Lâche tes épaules, les mains le long du corps. 2, 1, et c'est parti. On monte, on tourne et on pose. On monte, on tourne et on pose. Monte, tourne et pose. Aspire bien le nombril vers la colonne vertébrale. Rien de bien compliqué. Hop, prends le temps de bien faire le mouvement. Monte, tourne. Et pause. Oui, c'est souvent là où tu te dis, mes fesses sont lourdes. C'est normal. Tu peux un petit peu t'aider avec les bras, bien sûr, mais n'appuie pas trop trop fort sur ses doigts et sur ses bras pour enlever tout le travail des abdominaux. Tu n'as pas besoin de monter très haut. Il faut juste sentir, hop, que tes abdominaux y bossent. Encore. Deux. Ok. 10 secondes de récup. Prochain exercice, c'est ce qu'on appelle le portefeuille. Tu te places ici légèrement sur l'arrière, les mains au sol. Tu vas lever les genoux et on va ramener les genoux comme ceci. Hop, allez, on est parti. Le portefeuille. Si c'est un petit peu trop dur, tu peux poser, hop, récupérer un petit peu et tu repars. Allez, encore. Hop, hop, lâche les épaules, tends les jambes, ramène les genoux. Grandissez-vous bien par le sommet du crâne et ouvrez la poitrine. D'accord? Ne rentre pas les épaules vers l'avant. Ouvre au contraire. Hop. Voilà. Il reste une vingtaine de secondes de travail. Après, on partira sur un crunch simple. Allez. 5 secondes de travail. Ok, top. On se replace. Crunch simple. Les mains derrière la tête. D'accord? Crunch complet, en haut, en bas, en haut, en bas. Allez, ensemble. On est parti pour 50 secondes. Donc, c'est le troisième exercice. Souffle en montant, inspire en descendant. Hop. Peut-être que tu as commencé par cette séance d'abdominaux. Moi, ce que je te conseille après, cette séance, vu qu'elle n'a duré que 10 minutes, d'enchaîner sur une autre séance, soit une séance cardio, soit une séance renfort, soit même les deux. D'accord? Il y a quelques séances que j'ai faites où j'ai couplé les deux cardio-renfort. Comme ça, tu auras travaillé tout à peu près à une trentaine de minutes. Allez, continue à souffler, continue à rapprocher les côtes de ton bassin. Il reste à peu près 5 secondes de travail avant d'enchaîner sur la suite. Ok, on se tourne. Prochain exercice, le Russian Twist. On le fait des fois avec un disque, là on le fait sans rien. Donc tu vas te retrouver comme tout à l'heure sur les fesses, ici, et tu vas aller 1, 2, et tu vas revenir au centre. 1, 2, et au centre. Si c'est trop dur, tu poses les pieds, tu recules, et tu fais ce même mouvement avec les pieds au sol. D'accord? Pensez à vous grandir, pensez à aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, pensez à rester grand. Droite et gauche, crise de rotation. Hop. Si vous avez un petit peu mal aux fléchisseurs de hanche, laissez les pieds au sol. D'accord? Essayez de sentir votre travail sur les abdominaux. Parce que souvent, ce qui va lâcher en premier, c'est ici le fléchisseur de hanche. Donc ne le faites pas lâcher en premier. Si vous avez mal, vous posez les pieds. Hop. Et vous reculez un petit peu le buste en le gardant, pardon, droit. Hop. 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 Voilà. Ça, c'est bien. Ok, la suite,
la bicyclette classique ou l'extension de jambe. 3, 2, 1. Allez, donc tu as toujours l'alternative qui est ici. D'accord? Ou sinon, tu viens pousser. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est dégager, d'accord, le menton le menton de votre poitrine, mais garder le bas du dos en contact avec le sol et éloigner les épaules des oreilles. Les omoplates ne touchent pas le sol pour garder toujours les abdominaux en contraction. Plus dur, hein? Sinon, tu peux repasser par une phase, hop, au centre avant de revenir, comme ceci. D'accord, sinon tu alternes. Dès que c'est dur, récupère, remonte et repars. 5 secondes. Bien. La suite, planche. On va faire tape épaule, tape main. Regarde bien. Tape épaule, touche main. On y va. Tape, tape, touche. Et touche. Si c'est trop dur, pose les genoux au sol, épaule, épaule, main, main. Que tu aies les genoux au sol ou les pointes de pied au sol, pense à te gainer. Le gainage, c'est aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, serrer les cuisses, les mollets, les fessiers. Épaule, épaule, main, main. Quand tu fais épaule, épaule, main, main, que tu bouges les membres, épaule, bassin aligné, et il y a par contre, rien qui bouge, sauf les bras. Tu plies sur le coude, hein. Hop, hop, plie par rapport au coude, pas par rapport à l'épaule. Hop, hop, 3 secondes, c'est le dernier. Ok, la suite, oblique en bougeant. Donc, on va le faire à droite et après, on va le faire à gauche. Donc, tu te places sur le coude, un pied devant, un pied derrière, monte le bras. Et tu viens faire des petites pulses au bas. Petites pulses. Si c'est un petit peu trop dur, tu te mets sur les genoux. D'accord ? Attention, si tu as mal à l'épaule, avance ou recule ton épaule. D'accord ? Tu ne dois pas avoir mal aux épaules. Hop. Hop. Voilà, tu dois avoir mal à l'oblique le plus proche du tapis. T'as un coup de moins bien, pose les genoux au sol. T'as un gros coup de moins bien, tu ne bouges plus. D'accord ? Pense à rester gainé. Il reste 5 secondes. On s'accroche, on ne craque pas. 3, 2, 1, top. On recule. On se met de l'autre côté pour faire l'autre exercice. Il nous en restera deux, hein, exercice. Donc là, on en est au 7e. Allez, en place. 50 secondes de ces pulses. Hop. Montez bien le bassin. Éloignez les épaules des oreilles. Trop dur, pose les genoux, hein. Je te rappelle. 20 secondes. Allez. Ouh. 13. Allez. Ouh. 5 secondes. Ouh. Top. Oh. La suite, planche jumping jack. Tu te mets en planche et on ouvre et on ferme les pieds. Alors, soit en même temps, donc ce qui va faire un peu de dynamique. Si c'est trop dur, un et puis l'autre. Comme tu veux. Allez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner une phase dynamique avec une phase un petit peu plus lente. Hop. Si c'est trop dur, reste gainé. Beaucoup trop dur, tant pis, remets-toi sur les genoux, aspire le nombril et reste gainé. Allez. 25 secondes, on a fait la moitié. Si c'est trop dur, pense à faire un pied puis l'autre. Pense à poser les genoux. Allez, mais pense à être gainé. Il reste 5 secondes, 5 secondes.
Dernier exercice, ce qu'on appelle le sprinter. Donc on va monter genoux et buste, hein. Hop, et reposer, hop, et reposer. On est bon? On y va? Allez. Donc, un genou et je reviens. Un genou et je reviens. Si c'est trop dur, fais toujours une petite pause. Souffle, reprends, serre bien les abdominaux et on repart. Allez. Monte sur les fesses, grandissez-vous. Pareil, pause, hop. Si vraiment tu n'en peux plus, tu fais que des crunchs, voire des petits crunchs, pour garder les abdominaux en contraction. Ne bouge plus les jambes. Allez. Dernier. Ok. Eh bien, Canal Gym, j'espère que cette petite séance d'abdominaux t'a plu. 10 minutes, rapide. Moi, ce que je te conseille, c'est après ça, faire soit du cardio, soit du renfo. Si c'est ça, c'est ta deuxième séance et que tu as déjà fait du cardio, du renfo, je pense que pour aujourd'hui, ça suffira. Donc sur ce, je te fais un gros bisou et on se retrouve très très vite pour une nouvelle séance chez Canal Gym. Ciao, ciao!